Crow, un titre qui va figurer sur le prochain album de Da Brands. De retour bien sûr sur ce plateau, à ma droite, nous avons Med Metal, membre fondateur du collectif Buzz Lab aux côtés de Cannabis. La nouvelle génération est en vogue, nous sommes 2014, l'innovation is on point. Et à côté de lui, nous avons Pendra, un homme qui n'a plus besoin de présentation. Yakarna mom mom dama xey baye après ci kanam rek mu ñew wax ni lim fi mu jaar parce que jaar jaaram suma ko nare lim fi duñ fi joggé. OK, ici à ma droite, nous avons bien sûr la voix de la banlieue, Purpose All the Way from Rufus. Je l'appelle moi The Rookie of the Year. OK, Purpose the Ghost Rider. Et pour finir, nous avons Jojo, fondateur du groupe Yad Fou, membre fondateur, je dirais bien. OK. Et le régulateur du hip hop Galsen, parce que Jojo moi qui nga xamantene ça yo problème amé ci ñi ñëk jëf lay bokk koku mo mëna ko sédel. On les applaudit très fort s'il vous plaît. Alors gaay ma bay leen ngeen nuyo vite fait Med Metal. Wa ma ngi nuyu gaay fi tok yépp first grand yi you know and my man Purpose ak yow ak gaay fi tok yépp ma ngi ziar salam alaykoum. OK Pendra. Bonsoir tout le monde. Sénégal na ngeen def nuyu ñep duma nuyo nuyu mbeur parce que day yag et je casse la discrimination des deux Rufus quoi là wow. Wow. Parce que Sénégal yamul Rufus quoi. Sénégal en fait non c'est pas Rufus c'est Villeneuve. Wow, la ville de Rufus pour dire on est 14 régions et il y a des Sénégalais de la diaspora donc ñep lañu nuyu sen tour ak sen sante ñoko bok quoi ben deuk bi la donc yeah unite we stand. Okay. Divine. We fall. Purpose. Yes, salam alaikum. Donc déjà di nuyu sama jeurine yu neex yef ci plateau bi. Xamata ma jox cadeau parce que moy sama mbok Casamance la ba paré momay jangal jola. Moy sama professeur. Donc suma waré wax mom la wara baye mu ñëk wax ba paré quoi. Ta ci len lolu way. Alors légui une question qui s'adresse à Med Metal. Donc, c'est 2014, Buzz Lab est en train de faire énormément de bruit. Donc, Taï, Soumala Ladia Taï, qu'est-ce qui vous sort du lot en fait? Et lan moy li nga xamantene moy sen dole Taï, Buzz Lab, ba nga xamantene dans toutes les écoles, vous êtes demandé, sur beaucoup de scènes, vous êtes demandé, qu'est-ce qui sort Buzz Lab de l'eau? Tu parles bien au nom de tout le collectif. Voilà, moi, nous avons déjà dit Delwa dit. Ziar ñep quoi am sank ma ngi taxaw di dégg ñu ngi expliquer fi sank ma ngi dégg Rex mu ngi expliquer mu ne gaay dañu niro li ñi def quoi tu vois dañu niro li ñi def man pour man lenn lañ waro niro li ñi def moy le rap rek le rap mom ñoko bok ñoko niro mais ni ñi rabé waru niro quoi tu vois waru niro peut-être côté bobu nonu gëné nañ ci lo bi côté bobu déggal na tamit kenen wax dal di né je pense mon amna génération bo xamné dafa am luñu laaj tu vois génération bobu non ñu dañu and ak ñom depuis du légui quoi légui peut-être le bruit bi gëna bari mais yag nañ ci 2007 lañu commencé carrément de créer vague bu mag bobu non di ñew ñun maîtriser won nañ liñu def bëgg nañ liñu def xam nañ liñu def et puis li nga xamné mom moy détail yu sew ci biir liñu def xam bi mu soxla ak flow bi mu soxla swag bi mu soxla li gaay ragalon def you know swag bi mu soxla rafeta yu affaire bobu mu soxla ñun dañ ko ci doon indi tu vois. OK et puis tay je pense que jeune yi tam ñu xonté deug dañ non xol télé dañuy xol buñu xolé MTV wala je sais pas peut-être BET TV BET wala internet tu vois ñom dafa am ñeneen ñu gis quoi dañuy gis ay Lil Wayne ay nangam ñu lañuy gis. OK ñom lool mo leen neexon quoi. Nous sommes la génération qui a été en train de faire des clubs et des boîtes. Nous avons vu que les rap galsen, nous ne savons pas. Mais nous avons vu que les gens sont parce qu'ils sont complexes. Mais nous avons vu que les gens sont en train. Pourquoi pas nous faire comme nous savons les Américains. Nous n'avons pas ce qu'ils font, mais nous les faisons. Pas ce qu'ils font, mais nous les faisons. Nous avons commencé à faire ce qu'ils font. C'est le côté forme, je ne sais pas le côté fond. OK. Ñu xol forme bi diko def ci beat yi ni ngi koy defé style bi ngi koy defé swag bi ngi koy defé ñi jëm ko apporter quoi mais avec l'état d'esprit sénégalais tu vois loolu ñu don jëm def quoi bon certains ont compris certains pas mais aduna mo mel non quoi tu vois. Okay. Mais la masse top nañu ci loolu. Okay. La masse top nañu ci loolu et puis je vois que niveau au Sénégal fim toll ni mënon na gëna dépasser li même ñun suñu niveau mënon na gëna dépasser li tu vois. Wow. Té ñun loolu ñi aspirer parce que man je pense que c'est une honte Sénégal ay Nigeria diko raw. Okay. Ay gana diko raw
C'est une honte pour nous parce que ñom dañ non liggéey quoi. OK. Ñom dañ non xol niveau bu maga maga bi ñukoy def et puis ça passe dafa rafet dafa am style dafa am dafa clean xoma hip hop xoma hardcore la xoma lu meunti nek mais na teggu ci yoon yi mo da teggu clip yu nice affaire yu taxaw whatever you do, do right amul lenen you know monsieur Penra ça fait plus de 20 ans ñu ngi lay dégg amna ñu xamé sa kanam amna ñu xamul c'est très rare ñu lay dégg ci télé yi wala ci radio yi organiser nga fi lo xamantene mo nekkone hip hop award sénégalais ba tay soppi na nek na yaakar feulal nga fi artiste yu dul jeex tay vu tout ce que tu as parcouru ci il gal sen wi ak ñi nga xamantene ibil nga len buntu ak ñi nga xamantene dafar nga sen carrière tay ya nga préparer déjà ben événement bu reuy on aura l'occasion de toucher à ça vite fait mais est-ce que mën nga ñu expliquer tay parmi tout ce que li nga jotta def yépp tay lan nga mëna wax li nga xamantene li mën nako joxogné li aujourd'hui tay c'est ma fierté ak yaakar instant yi ni ça fait presque 3 ou 4 ans nga koy def légui pourquoi nga baye def hip hop gal sen hip hop awards def ko yaakar nga xamantene c'est plus li nga xamantene mom lañuy tamone parce qu'aujourd'hui man personnellement je dirais bien que la compétition elle est morte au Sénégal parce que amatuñu genre événement yoy nga xamantene mo doon forcer ñu bari pour ñu liguer parce que dañ nan OK man dama bëgg am meilleur clip de l'année man dama bëgg am meilleur album de l'année man dama bëgg nek meilleur artiste de l'année loolu yëpp amatuñu événement yoy té yaw ya ñuko doon jox pourquoi tay nga baye loolu def yaakar ak lan moy li nga xamantene moy la fierté de ton parcours bonsoir tout le monde bonsoir wow. Déjà ma fierté pour mon parcours c'est de voir aujourd'hui des trucs comme G Hip Hop comme Africulture Urbaine Popperson, sa structure, plein de choses. Parce qu'au moment où on commençait en 2000, ce n'était pas bon. Le temps de management est fini. Quand on a mis la structure Optimist Production sur place, ce n'était pas évident. Il y a même eu des artistes confirmés qui nous disaient à l'époque, écoute, hip-hop djerna, funana mokoyor. Tu comprends? Okay. Donc, le hip-hop nous a bercé toute notre enfance et on a commencé quelque chose. Et moi, je suis taureau de signe zodiaque. Okay. Donc, ça avait tout dit. Sous mon son de ben affaire, tant qu'à faire bidan, le mon cobaye. On est en train de faire des réflexions. Aujourd'hui, on est au stade de réflexion pour voir. Ceux qui veulent chanter n'ont qu'à chanter. Hein? Ceux qui gèrent l'administration n'ont qu'à gérer l'administration. Ceux qui vont faire le financier et tout ce qui concerne la finance, le def finance. Tout ce qui est technique, le def technique. Et ensemble, maintenant, l'artiste, les gars, ils ont un concert. Ils n'ont que Forfoubé, ils balancent 21h alors que le concert doit démarrer. Yep. Alors qu'il doit se reposer pour savoir. Il y a tellement de problèmes. Moi, je peux dire ça m'a yonné aussi. Non? Pendant 20 ans, j'ai fait du hip-hop. Donc, même si je fais l'année, j'ai la capacité de faire autre chose okay. et de me consentir. Il faut que je sente ce que je fais. Donc, pour revenir à ta question, tu disais pourquoi on a fait 10 ans hip-hop et en faisant le bilan entre 2003 oui. et 2008, 2009, 2008, il y a minimum 30 cassettes et albums qui sortaient par an. Okay. Mais à partir de 2009, les gars ont 6 albums. Et aujourd'hui, sur le marché, il y a plus de mixtapes que d'albums. Voilà, ce qui est album là, ça dit mixtape, mais il y a un album là. Il faut citer l'album. Non, sérieux, soyons sérieux, je le dis. YouTube, il y a un album là. Entre qui man, le moyen est moi, Sandaga Samakar, Boy Ambulant, ce sont mes boys. Donc, on travaille en amour avec tous ces boys là. Il y a des albums qui sont sortis entre 2012 et 2014, mais le hop, c'est des mixtapes. Ok. Tu comprends? Donc parfois c'est difficile. Et 2013, on devait faire, mais pas encore une compétition, on compétit, on boy. Les gars, Yakar 2014, vite fait, Balani et Exitini, Yakar 2014, qu'est-ce que tu nous prépares? Yakar 2014, on démarre le 28 à G-Hip Hop, chez Fumala Foyer okay. Marinan. On fait un plateau spécial slam. Okay. Parce que si Salam doit commencer en ampleur, donc il faut qu'on leur donne bonne visibilité. Okay. Donc le 30, on sera à la place de l'Obélix, donc où il y aura sur le plateau Simon, Gaston, Matador, ils sont nombreux. Okay. Et le 31, ce sera au Centre culturel français, un plateau World Music, et musique urbaine Ismaëlo, un slammer béninois qui s'appelle Kamal. Et Fuma System, qui est un produit de Africulture Urbaine, c'est une rencontre Danemark-Sénégalais. Donc, ils font un truc là. Voilà, en quelque sorte. On l'appelle très fort, s'il vous plaît. C'est lui, Penra. Professeur.
Google. Pourquoi? Avant Bobo, il y a pas longtemps, j'ai pris Daddy Bibson. Ci émission bi dafa am ben wax bo xamantene amna ñu bari ño xamne daf leen déranger. Bibson néna boy yi di wax yépp né grand yi dañoo wara bayyi. Boy yi del wax yépp, boy yi wax yoyep grand yi leen dakaram. Wax ma légui, parle-nous déjà de ton dernier single, xam nga ak lan nga xalaat ci wax jojo quoi Bibson. Déjà Rex Mayno, s'il te plaît. Vas-y. Donc déjà en fait pour moi déjà hip hop soy so bëggé tekkalé grand yi ak boy yi sax day xawa difficile quoi parce que bokku ñu li ñuy def day melni nga ne Pelé ak Lionel Messi quoi parce que génération bu nek ak outil yi mu am ak xam xam bu mu am grand yi ni man respect ma gëna am ci ñom c'est qu'à l'époque parce que man peut-être je suis jeune mais dama féké quoi féké na début quoi true à l'époque so papa sax amul yenn moyens do sax am capacité wu deglu rap donc ay cassette vidéo lon don affaire yi man je venais en vacances à la Sika Babab sama copain ñu won abal ay cassette vidéo ay Arsenio Hall ay affaire yi fuma deglu rap quoi comprendre donc ñom ils se sont fait à partir de rien mais ñun dañu mag jang ci ñom parce que man dama ñep xamna dama imiter deug ci ba nek rappeur quoi ok donc dañ jang ci ñom jang ci aduna bi motax niveau yi mënul bok du concurrence nak quoi parce que man tay su concurrence am sa man j'ai l'habitude de le dire même ak sama génération lutax ba do concurrence non man may sama concurrent bo parce que limay def xamna na Sénégal ke mënu nga fi def ok waaw parce que man chaque fois en fait man esprit bobu la am ok tay li wa buzz lab di def ñom la c'est buzz lab numéro 2 amul dara ci game bi quoi ki le il est unique en son genre box il est unique alien zik ils sont uniques man je suis unique en mon genre limay def Sénégal Afrique sax amul kenn ko xamne mën nak fi def parce que xamna lool gëmna lool non quoi parce que voilà donc moi comparaison bi en fait même man comme li wax rek man mom dama bok ci ñi xamne dañu jox respect grand sérieusement ok parce que demb motax ñu nan tay ñun so tay so ci man suma joxul respect grand sama rak yi ñew duñ ma jox respect quoi c'est clair lool lo quoi c'est clair lan moy diw wa diw moy c'est le dernier single de Peu Seu yeah ci internet yi son bi amul clip hein mais même sur YouTube c'est en train de faire un bruit énorme nena len 2014 il y a des albums qui vont faire mal mais malheureusement comprendra nena bugul def hip hop ñu xol non may xar may parce que mais amul problème lan moy diw et d'où vient le concept en fait juste pour diaral juste rek il faut faire hip hop award parce que vite ci ñuy démé ñu nouvelle génération bi ku deful hip hop award bi ti lañ jëm kon na gaay gaaw organiser quoi comprendre donc déjà diw c'est l'autre ouais c'est l'autre c'est moi c'est moy li ngay gis ni ki diko wax ci lu bax ak ci lu bon parce que man j'ai l'habitude de le dire pour man li ngay gis ni ki ci yow la nek quoi donc té comme en fait c'est le concept de l'album qui est comme ça Khatima Kalama à la base en fait j'avais un projet d'écrire un livre parce que man en fait lettre modern la jang poésie ak roman okay. donc dama amone bëggone bind livre en wolof en 2009 bamay xamanté ak Simon may signé donc mané pourquoi duma ko def un album légui ma djéma tasko ak idée yi ma amone ci livre bi ma tasko par son okay. donc diw du son bi gëna dof ci album bi dé juste mo ñëk paré rek ah bon mo ñëk paré parce que ñu bëri en fait xama sen ñun fi diw lu ñëk marqué nit ñi moy sabar yi quoi c'est du hip hop ak ay sabar parce que ñu bëri en fait ils ont un peu peur de utiliser instrument sénégalais après nit ñi la lañuy wax mais man je me dis que juste direction bi ngi koy jox lo quoi so bëggé jël sabar daf ko mu hip hop day hip hop lool